Salut tout le monde, c'est Neval, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de gameplay sur la bêta ouverte, j'allais dire fermée, non, ouverte de Battlefront 2 sur Xbox One, bien sûr. Avant de commencer, il y a eu des petits soucis. Je sais que je suis pas le seul. Hein. Pour lancer le jeu, il y a des bugs. Ils ont toujours pas fait de correctif, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça, c'est qu'une bêta. Donc, je vais vous donner juste deux petites astuces. Alors, je sais pas si ça marche pour tout le monde. Pour moi, ça a fonctionné. Pas mal de personnes, dont moi, quand on arrivait, donc quand je suis arrivé sur le menu, vous savez, il faut accepter les termes du jeu, c'était un peu la merdasse, parce qu'en fait, on pouvait pas valider, simplement. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé le jeu, je suis revenu au menu de la console, classique, j'ai carrément déconnecté mon compte, c'est-à-dire que j'avais plus de compte actif, en fait. J'ai lancé le jeu, là, le jeu, automatiquement, il vous demande un compte, j'ai mis mon compte, et ça a fonctionné. Voilà. Ensuite, il y a un autre bug qui m'est arrivé, là, il y a 25 secondes, hein, où en fait, bah, j'arrivais, en fait, je pouvais pas passer la cinématique et je ne pouvais pas bouger dans les menus. Vous voyez, ça bougeait pas, c'était de la merde, ça bougeait pas. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'ai été obligé, hein, j'ai éteint la console et je l'ai rallumé. Voilà, donc si vous avez l'un de ces deux cas, eh ben, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Donc, voilà, après, si vous avez pas de problème, eh ben, tant mieux pour vous. Moi, j'ai eu ces problèmes et c'était chiant. Donc aujourd'hui, on va pas s'attarder sur le mode strike parce que je l'ai pas fait et ça m'intéresse pas. On va faire du Galactic Assault et du Starfighter, donc ça sera du gameplay en mode, vous savez, en mode meilleur moment, extra move, tout ça, pas les full gameplay en entier. Hein. Et voilà. Et puis pendant qu'on joue, je vous expliquerai un petit peu mon ressenti. Youhou, allez, c'est parti. Donc ne tirez pas sur les civils, les copains. C'est pas nous les méchants, ils sont cons. Donc j'en ai à voir. Là, j'ai pris la classe Eevee, donc la classe lourde. J'en ai à voir ce péteux qui est plus lent, mais par contre apparemment fait plus de dégâts. Donc je vais tester, on va voir ce que ça vaut. Le jeu a un premier ressenti, évidemment. Le jeu est magnifique. En même temps, je suis mon copain, je vais l'aider tout seul. Madame, criez pas, s'il vous plaît. Je suis mes copains. Moi, mon premier ressenti, c'est que le jeu, ouais, il est beau, il est fluide, 60 FPS, tout ça, tout ça. Hey, copain, comment t'as fait, copain? J'arrive. Ah ouais. Alors en fait, ce qu'ils ont pris, en fait, s'ils arrivent à loquer leur vaisseau avec, il se passe en fait qu'il est vulnérable et donc on pourra lui tirer dessus, lui faire des dégâts parce que quand même notre but c'est tout péter. Hein. Oh, un robot. Tiens, j'aime pas les robots. Hey, méchant. Et c'est le premier kill pour pipi, j'allais dire c'est pour pipi. Oh oui. Oh mais il est en train de le shoot, bien. Shooter. Oh, il est méchant. Oui, il est méchant, ils sont où? Merde. Mais non, mais je suis con, mais moi je reste statique aussi. Dr. Pig. Oh, bah c'est le Dr. Pig. Donc, comme vous avez vu, on gagne des points. Et en fait, ces points vous permettent, après, si vous le souhaitez, d'acheter ces trucs-là. Donc, les héros qui coûtent 5000. Donc, là, nous avons Rey Han Solo. Et ensuite, vous pouvez acheter des vaisseaux volants ou terrestres. Et d'autres héros. Enfin, j'appelle pas ça des héros. Moi, j'appelle des sous-héros. En fait, hein. C'est un petit peu. C'est des unités plus fortes, mais voilà. Et ce concept est excellent parce que moi, ce qui m'avait gavé, c'était un petit peu le. Le concept, faut ramasser des items, enfin ouais, bon, bref, quand les mecs connaissent la map par cœur, vous êtes niqués. Et y a un mec pas loin. Des copains, mais je vois des méchants. Pousse-toi, Roger, y'a quelqu'un qui va arriver, j'en suis sûr. Non? Recule, Roger, recule, je prends ta place, t'inquiète. Il m'a déchiré. Donc comme je disais, ouais, le... Y'a un mec là. Le concept de justement, c'est... Fait chier, je me concentrais, désolé. Justement, le concept de la feed, enfin de la feed, justement, on a besoin, nous, de faire des points pour débloquer des choses. J'ai trouvé ça vraiment excellent parce que du coup, ça nous pousse à... Costons le robot, je te dis déjà. Ça nous pousse, en fait, à jouer mieux, en fait, hein, évidemment. Après, moi, je suis pas bon au sol, j'ai beaucoup de mal. Je me sens mieux dans l'espace. Honnêtement, je me sens beaucoup mieux dans l'espace. Il faut mourir, hein. À un moment, Dr. Pig... Il... Ok, sur la gauche. Ah non, un avion. Oh, bah, bien joué. Donc ouais, le fait de devoir se surpasser, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Du coup, ça donne envie de mieux jouer et de plus avoir à ramasser des items au sol. Voilà. Moi, je préfère largement ce concept. Hein. Largement. Lui vient de se faire déglinguer, c'est pas bon signe, ça. Après, le gameplay était vachement ralenti. Je me fais déchirer. Le gameplay, je trouve, hein, qu'il a été vachement ralenti comparé au premier. Ce qui veut dire que j'ai... Moi, en tout cas, j'ai... Il a lagué complètement, lui. Excusez-moi, je me suis arrêté d'un coup de parler. Hein. Bah ouais, moi, je suis comme ça. Hein. Tiens, moi, je lance des greux, moi.
Ouais, c'est une petite carte que j'ai récupérée parce que maintenant c'est pareil, vos skills, c'est plus des trucs. Bon, avant on les achetait aussi, mais là c'est des cartes qu'on drop et j'aime bien ce système, c'est cool. Enfin, qu'on drop, qu'on achète. Je suis mort. Ah, et mes 3 jours à mettre le mode méga ouf de la mort qui tue tout là. J'espère que je vais réussir à débloquer Ray. Je veux débloquer Ray, je vous jure, je veux la débloquer. Je l'ai toujours pas vue. Enfin, je l'ai vue, mais je veux dire, je l'ai pas débloquée. Même si officiellement les Jedi, c'est, ou les Sith, hein, c'est pas forcément les plus forts, je trouve, dans le jeu. Et vu que je l'ai jamais joué, ça va être n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est question de l'avoir, j'aimerais bien. Alors, je vais pas rester de face parce que le machin il va me pilonner la gueule. Là, il faudrait qu'on arrive à récupérer le truc sur le côté pour le rendre vulnérable. Malheureusement, il nous bloque bien là. Oh merde, merde, merde. Allez, go, 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 go. Comment on le ramasse? Allez, ramasse. Ok, c'est bon, je l'ai. Non, faut que j'arrive à le marquer. C'est bon, je l'ai marqué. Là, c'est bon, on peut le shooter. Allez, go, go, go! On envoie tout, là. Ah, oh, il m'a dé... Oh, dans le dos. Merci, les mecs de la couverture, elle était parfaite. Allez, go, continue. Eh, 500. 500 et j'irai. Et je vous le dis, je prendrai, hein. Je vais pas prendre un tout seul, hein. On a foutu. En tout cas, on a très mal défendu. Ils sont pas beaucoup morts, malheureusement. Vous le voyez là-haut, hein, ils sont encore beaucoup. Attendez, je le contourne, ils sont dessus, mais je le contourne. Et d'un... Grenade ! C'est une grenade au con qui pète au contact, ça. Il faut généralement bien la lancer. Ah, il me déchire, il me déchire. Ah, putain, merde, en plus, je suis hors zone. J'ai de régène, en plus, c'est la merde. Oh, merde, oh, je suis mort. Ah, moi, je pouvais pas aller à gauche, moi. J'y vais, moi. Si vous croyez que j'ai plein, ça va me connaître. Je suis mort, mais de merde. Bon, on va attendre que le mec il meure carré là. Parce que là, il y en a un qui a pris un solo en plus. Bon, pas j'aurais pu le prendre, mais c'est vrai que j'ai pas voulu. Je vais essayer Ray, moi. Même si honnêtement, je pense que les héros de distance sont plus forts que les Jedi. Parce que j'ai remarqué que Dark Maul en tout cas ne renvoie pas les lasers. Déception. Il est où? Mais y'a rien, mon golo. Wow, bah tu vas tout seul, mon gars. Moi j'ai fait un kill assist, attendez, je régène. Ok, c'est bon, je peux me remettre en place. Moi je tire dans le tas, hein, rien à foutre. Hein. Tout le temps du cooldown, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez charger. Voilà. Oh, bien joué ça. Oh, j'ai géré là. Je suis content de ma prestation. Ouais, je balance tout. Bon, les poteaux, ils ont un petit peu trop avancé là. Je pense qu'il faut qu'on redresse chemin parce qu'ils vont plus passer par là maintenant du coup. Ah merde. Ah, je vois rien. Je sais pas c'est qui fait ça. Oh, je crois que je sais c'est qui fait ça. C'est Boba. C'est Boba qui fait ces trucs là. Ça veut dire que Boba. Ah, j'ai rien pu faire. J'ai été complètement paralysé. Bon, il est en train de prendre le point. Oh, y'a moule. Y'a moule. Y'a moule. C'est la merde. Y'a Ray aussi. Il est où, moule? Oh là là. Je sais pas si c'est ma grue qui m'a fait mal ou pas. Ok, attendez. Je sors le truc parce que moule va arriver. Pousse-toi, Potao! Ah, ouvrez la porte, t'es pas con. Ouais, je me suis fait défoncer. Bon, en même temps, j'ai fait le bourrin là. Bon. Écoutez, on va prendre un solo. Pas le choix, hein. Je le connais pas, hein, donc ne m'en voulez pas. Je ne connais pas ses skills. Ok, ça, c'est un méga dash qu'il a. Je pense que ça chope les mecs si on le touche. Ok, on peut tirer à l'infini, c'est parfait. Ouais, j'en prends une direct. Ouais, il prend très cher Han Solo. Grenade, ok, classique. Ça c'est quoi? Ok. C'est bonjour, j'arrache tout. Dégage. Ouah, mais je me suis éclaté. Han Solo, j'aime pas du tout. Hein. Ah, j'aime pas. Et putain, et maintenant il y a Ray. Vous voyez? Non, je me suis trompé. Je le savais qu'à la seconde où j'allais prendre Han Solo, Ray allait être disponible. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah bah on a gagné, je crois. Et on a gagné.
Bon, j'ai été plus performant au début qu'à la fin, hein. Malheureusement. J'ai quand même fait une bonne partie, je pense, hein. Bon, écoutez, j'arrive 9ème. Ça va. Franchement, ça va. J'aurais pu faire bien pire. Je suis pas dedans, non? Bon, comme d'habitude. Putain, le mec, waouh, MVP, quoi. Le mec, il a tout fait, quoi. C'est juste le plus d'assist qu'il a pas eu. En même temps, s'il a fait tous les kills... Ah oui, monter de niveau. Eh ben, nickel. Je sais pas si on a mis une boîte. On va quitter, hein. Écoutez, hein, on va se retrouver dans l'autre mode. Et donc nous voilà sur le mode Starfighter, mon mode préféré. Donc vous avez à disposition le X-Wing, le A-Wing et le Y-Wing, donc le Y quoi. Ensuite on a le Faucon de Han ou alors le X-Wing de Po que j'ai testé et bon, on s'en fout. C'est un X-Wing quoi. Le Faucon, j'ai pas pu le tester malheureusement. Moi mon préféré c'est le A-Wing, tout simplement parce qu'il a le boost hein, comme toujours. Et puis il est trop dur à choper, enfin il arrache. Moi j'adore le A-Wing. Le X-Wing il va pas vite, le problème c'est qu'il a pas de boost, au final on se fait chier avec. Moi personnellement, il me fait pas rêver quoi. Même si c'est mon vaisseau préféré de mon enfance, mais bon, vous savez comment c'est. Et donc nous voilà dans l'espace. Hein, c'est magnifique. Je vous jure, c'est magnifique. Alors dans ce mode, ils ont fait quelques petites modifications aussi. On ne peut plus faire les roulés-boulés comme avant, vous savez, pour esquiver malheureusement. Ne me demandez pas pourquoi. Toi, tu vas mourir. On s'est entretués. C'est rare que je fasse ça, dis donc. Bon, c'est pas grave. Bon, on est reparti dans l'action directe. Donc ouais, je vous disais, on peut plus faire les roulés-boulettes. Je suis un peu déçu. Bon, c'est le seul truc qu'ils ont enlevé. Il faut aussi qu'on parle des chargements du jeu. Ouais, faut en parler. Hein. Franchement, ils ont géré. Les chargements sont très courts. Mais vraiment, je déconne pas. Hein. Meurs, monsieur. Voilà, c'était un joueur, ça fait plaisir. Les chargements sont super courts. Enfin, super courts, je veux dire, quand vous voyez le jeu que c'est. Merde. 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 Alors je fais des ronds, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Oh, esquive Roger. Youhou. Alors maintenant on a la régène, hein. Plus d'objets à récupérer, c'était chiant les objets, c'était de la merde. Je crois qu'il va pas me lâcher. Hein. Je crois qu'il va vraiment pas me lâcher ce con. Hein. Fous-moi la paix. Ah bordel de bite à cul. Allez, fous-moi la paix. Ah, le joueur il va pas me lâcher le cul. Hein. Je vous jure, lâche-moi. Va jouer tout seul dans ton coin. Oh, tranquille. Tiens. C'était Nia. Bon, dommage. Bon, faut jouer les objectifs. Merde. Alors souvent, les gros vaisseaux, ça va être les Greywing. Hein. Ouais, je vais le dire en français, ce sera mieux. Oh, merde. Ce sera les Greywing, hein, généralement. Puisque, bah, c'est des bombardiers. Hein. Ah. Le cooldown, par contre, du boost est trop long. Mais bon, normal, en même temps, vous allez me dire. Bon, moi après, je suis un chasseur. Oh là 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 là, je suis fait pour péter des chasseurs, moi. Oh, il me reste pas beaucoup. Faut que je me casse du gros vaisseau et en même temps que je fuis les autres cons. Ok, c'est bon, je régène tranquillou. Tout va bien. Où toi? Ok, je me suis fait défoncer. Fait chier. Ah ouais, le TU, il a un truc pour arracher, je vous le montrerai quand. Enfin, si on est l'Empire après, je ne sais pas. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, mais on a quand même presque perdu la moitié des effectifs, c'est chaud. Allez, go, hein. Mon vaisseau, il avance pas. Allez, faut le péter, faut le péter. Voilà, il a pété, tranquille. Voilà. Comme c'est beau. Allez, faut mourir, monsieur. Voilà, toi, t'as pété. Ouais, bon, notre truc, il est dans la merde, là-bas. Tonne de joueurs dessus. Bon, ça a légèrement lagué, mais c'est pas grave, il est mort. Il y a beaucoup de bombardiers ennemis aussi. J'arrive pas à le loquer. Trop près. Arrête de bouger, Roger. Bon, fou, je te lâche pas. M'en fous, mon missile, il va te traquer. M'en fous, je peux le ralentir, moi aussi. Ok. Merde, je me fais casser le cul par un autre. Oh, nickel. Merde. Oh, nickel. Allez, allez, je tire maintenant que je suis là-dedans. Merde, ça touche pas, comme par hasard. Merde, oh, quel con. Oh. Oh. Bon, on va tracer, hein. Je me casse. J'ai rien à foutre ici, moi. Ah si, je défends, mais là, je défends derrière. Donc là, oui, différents objectifs, hein. C'est plus comme
Franchement, toi, tu vas le laisser, toi. Ouh, tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé. Alors, si des fois vous voyez des ennemis en orange, c'est normal. C'est en fait vos némésis. Voilà. C'est ceux qui vous ont soit tué, soit tiré dessus. Voilà, je vais me faire déchirer si je reste là. Je le sens, vous le savez, je le sais. Hein. Mais moi, je suis con. Voilà. Je vous l'avais dit. Moi, je suis con. Regardez qui arrive. C'est le faucon. Alors, c'est la première fois que je l'ai, je suis trop content. Je ne sais pas de quoi il est capable. Donc, il a le boost. Ok, normal, vous allez me dire. Ok. On a des missiles et le méga truc, je pense que ça doit être un méga laser de ouf. Par contre, ma maniabilité, elle est en vacances. C'est normal, c'est le, vrai, c'est le faucon. Quant à mon avis, on doit arracher des culs avec. Allez, viens là, monsieur. À mon avis, je dois être une belle cible aussi. Ouais, je confirme. Tandis que moi, c'est génial. Ah, ok, il me lâche plus. Et les copains, ils me font un coup de main là, parce que le faucon il peut aider. Mais en fait, le faucon il peut pas aider. En fait, il se fait déchirer le faucon. Ok, je vois rien depuis que j'ai le faucon, c'est génial. Il y a un mec là-bas, mais. Est-ce que c'est vraiment un joueur? Je ne pense pas. Ok, peut-être que je devrais viser les objectifs parce qu'il doit être puissant quand même le faucon. Allez, monsieur, faut mourir. Ok. Alors, désolé, hein, c'est la première fois que je joue le faucon, j'ai un petit peu de mal, normal. J'arrive pas à. Ouh, ça rush ça. Ouais, ma mobilité elle est en vacances. Toi, t'as le faucon au cul, tu le sais ça. Bon, on a perdu les déflecteurs. Donc, en gros, on a perdu les boucliers, s'il vous plaît. Ouah, je dois en avoir 10 au cul, hein, parce que si j'arrive pas à m'échapper comme ça, c'est que. Ouah, le faucon c'est une cible, il faut jamais le prendre, je vous confirme. Non, je suis mort. Hein. Le faucon, il est surpuissant, mais vous êtes une cible de choix, quoi. Ouais, la déception du faucon, quoi. Il n'y a pas comme dans le premier, le bouclier, ça aidait, parce que là, du coup, vous êtes une cible facile, quoi. Oh, par contre, tu m'as buté avant. On va rigoler maintenant. Là, dégage, pure ta gueule. Et hop. Ah, dès que j'ai un vaisseau maniable, c'est plus la même. Oh merde. C'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Je croyais que c'était le vaisseau de Boba au début, j'ai flippé. Bon, le vaisseau de Boba, il arrache, hein. On le dit. Attendez, il croit qu'il va m'avoir, lui. T'es peut-être résistant, mais. T'es lent, mon pote. Ouais, tu rentres pas chez moi. Enfin, c'est chez vous, mais on s'en fout. Bon, on est plus que 38-29%. Ah, ça pue. Hein. En même temps, j'aide pas. Hein. En même temps, avec un A-Wing, je suis désolé, je peux pas aider. Hein. Bon, mon taf, c'est tuer des gens. C'est tout. Hein. Bon, ça, c'est une IA. Oh putain, peut-être pas. Ouah! Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur l'arbitre, je n'ai rien touché, d'accord? Je ne suis pas un X-Wing, ok? Ah, on a perdu. Super. Bon bah on a perdu. Voilà. Bon c'est pas grave hein. Bon je suis pas dans les trucs, non. Oh là, ah d'accord, le mec il a tout. Le plus de kills, les dégâts, tout. Il a tout. Il a géré pour un mec en bombardier. Le bombardier moi j'ai du mal hein. Bon bah voilà. Bon écoutez, on va pas voir le côté empire. Vous allez me dire pourquoi? Parce que ce n'est qu'une bêta. Je voulais juste faire voilà un petit... voilà, une petite, comme ça, une partie de chaque, condensée, vous voyez, question de là, d'un peu de gameplay, quoi, c'est tout. De toute façon, quand le... Alors, mois de novembre, c'est le jeu que je fais, je ne ferai pas Call of au mois de novembre, hein, je m'en fous, j'attends. En même temps, j'ai pas eu l'honneur de tester la bêta hein, de Call of Duty. On va voir, est-ce qu'on peut voir une boîte? Est-ce que je peux surtout bouger dans le menu? Faut attendre sa charge. J'ai pas eu l'honneur de tester Call of, donc du coup, de toute façon, j'avais dit, hein, si Battlefront 2 me convient, ce sera lui. Personnellement, je préfère faire Battlefront 2, que ce soit pour le multi ou même pour le solo, hein, évidemment. Donc voilà, j'aimerais bien... bon bah écoutez... Ah si, c'est bon, je crois que ça avait bugué. Ouais, une petite boîte. Bon, le système des boîtes, en fait, est simple, hein, vous choisissez directement ce que vous voulez, soit les vaisseaux, soit pour les quand vous êtes au sol, soit pour les héros. Et ben on va choisir pour les héros parce que j'ai pas le choix, et puis parce que c'est juste pour ouvrir une boîte pour la vidéo, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors... On a eu... Même pas que pour les héros d'ailleurs. Un truc avancé pour les vaisseaux, ok. Alors, une habilité pour Dark Maul. Ah non, c'est une Nimote. D'accord.
Et par contre, c'est barrage intense pour... Tu veux bien y aller dessus pour Boba. Donc en gros, vous voyez, ça améliore en pourcentage les dégâts de certaines habilités, voire même ça les remplace pour les personnages basiques. Pour les héros, ça améliore. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.